Vicente Lizarazu nous fait comprendre que Marco Verratti manque cruellement à ce PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur le propos de Vicente Lizarazu. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Vicente Lizarazu nous fait comprendre que Marco Verratti manque cruellement à ce PSG. Moi, je partage son avis, les amis, parce que lorsque je vois le milieu actuel du PSG, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit Zaïre Emery, que ce soit Ougarté, pour moi, c'est des mecs qui n'ont pas le profil de Marco Verratti. Ils n'ont pas le profil de Marco Verratti, les amis. Les Vitinha, ils n'ont pas le profil de Verratti. Verratti avait son style à part. C'est un joueur qui était capable de sortir du pressing. C'est un joueur qui avait, il avait une bonne vision du jeu. Il avait vraiment une bonne vision du jeu. C'est un mec qui voit le jeu avant tout le monde. Il voit le jeu avant tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi le PSG n'a pas anticipé ça. Il devait anticiper. Il devait anticiper ça. Et depuis, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on parle de ça. On en parle de ça depuis. Que oui, en attaque, ça promet. Mais au milieu du terrain, ça manque cruellement de milieu créateur. Et j'espère vraiment que le PSG va corriger ce problème. Hein. Peut-être pendant le mercato hivernal. Et j'espère vraiment. Sinon, s'ils traversent même les poules, je ne les vois pas aller au-delà des huitièmes de finale. S'ils ne corrigent pas ce problème pendant le mercato hivernal. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Vicente Lizarazu? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!